Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Je suis un peu plus calme que le précédent épisode, normalement, si le jeu ne me la fait pas à l'envers. J'ai pris un nouveau robot dans l'usine, vous voyez, je suis très très zen. Je travaille dessus, vous voyez, je suis heureux, je suis calme, je joue à Robocraft, tout va bien. Mais apparemment, nous n'arrivons pas tous à nous connecter. Ce qui veut dire que je vais devoir rechercher encore une fois une partie, je pense. Vu que GameMati32215 n'arrive pas à se connecter à la partie avec son robot qui est muni d'un ou plusieurs shotguns, d'un ou plusieurs healers, d'un ou plusieurs bombardiers et d'une pile d'énergie, on va dire. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Donc bon, voilà, je ne sais pas trop véritablement ce que le jeu est en train de faire. Est-il en train de continuer à espérer que nous allons trouver un moyen de faire venir GameMati dans la partie? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, nous avons un très très beau crochet de Maxime Brobrus, vu que moi c'est Marcus Bonus. Quoi qu'il en soit, Soccer Hit qui s'est planté, qui a oublié de mettre un C à Soccer. Azamaru qui est forcément japonais. Pac-Man qui est forcément jaune. Phoenix Massacre, je sais pas. Qui va essayer de voler dans les plumes de l'ennemi. En tout cas, nous avons réussi à nous connecter. Parfait. Donc, vous voyez que ce robot, normalement, était supposément extrêmement dur à détruire. Mais il est aussi normalement un très très bon robot compte tenu de l'armement qu'il présente. Je ne sais pas. Intéressant de voir qu'il ne perd pas beaucoup d'énergie, cela dit. Alors. Ok, j'ai l'impression que les snipers font encore moins de dégâts qu'ils n'en faisaient avant. Hop, voilà, merci d'être venu. Ok. Ah d'accord, j'étais tout seul. Je croyais que j'avais des gens avec moi, mais ils ont fui, ils ont tout pas compris. Ce n'est pas grave. À 3 points près, j'ai le lead. Ah, 3. Oula! C'est quoi ce bruit? Alors, je ne sais pas si finalement il était solide ou pas pour le coup. Ce qui n'est pas une si bonne chose. Apparemment, on les a tous en tout cas. Putain. Voilà. Ah, par contre, il veut plus rouler droit, si, c'est bon. Par contre, j'aimerais bien que ça vise là où je... Là, d'accord, ok. En fait, il me tire avec quoi là depuis le début? Parce que ça a l'air de me faire une quantité de dégâts absolument incroyable. Et du coup, le robot n'a pas l'air aussi performant que ce qu'il est censé être. Mais je ne sais pas. Est-ce que ça le rend vraiment meilleur ce truc ou pas? I have no ideas. Par contre, ce robot n'a pas l'air aussi performant que promis. Après, je ne fais peut-être pas ce qu'il faut avec. Je veux bien le reconnaître. Mais j'ai pas l'impression qu'il est si... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, il est fait à l'envers, si je puis dire.
que les trucs auraient dû être dans l'autre sens. Spot. Don't be AFK. Ah, on a deux AFK, on a un AFK au point. Putain, on a un AFK au point, quoi. Pac-Man, voilà. Pac-Man est AFK. C'est la fête au village. C'est la chenille qui redémarre. Moi, je suis en place, je prends le point. Mais je suis tout seul et ça fait chier. J'attends qu'un ennemi vienne me cueillir. Aïe. Aïe, vous êtes nombreux là. Et je suis tout seul. Attendez, je crois que je viens de le voir bouger en fait. Ah non, ah non, d'accord. Bon. Et sinon, on en parle de ça là, par exemple. Ah bon. Oh putain. Chez nous, c'est chez eux, ça. C'est chez nous. Aïe. Lui, on voudrait la voir. Oula, alors utiliser le truc à ce moment-là, je suis pas tout à fait sûr. Excusez-moi. Alors, hop. T'es pas resté sur le point, toi. Pff, quel abruti. Ah bah oui, bah voilà. Et on va se faire rect pour ça. Parce qu'il a chase comme un noob.
Hop. En plus, j'ai lu un post très intéressant sur, sur les forums d'Overwatch vis-à-vis de ceux qui ragent pour les livers, pour le... pour ce genre de choses. Ah. Voilà. Il me saoule celui-là, il est là depuis le début. Il y a personne qui peut aller le chercher. Ah, mais merde, pas encore. Ah, tu me gonfles toi. Sont venus trop tôt. Là faut les finir. Là faut les finir parce qu'ils vont tenter le tout pour revenir. Hop. Ah, nom de Dieu! Oh la vache, ils l'ont eu. Fait chier. Bon, c'est pas grave. Il est encore là, hein, parce que regardez. J'ai été con. J'y ai couru dessus. En voyant pertinemment ces shotguns. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a Pac-Man, heureusement qu'il est là. Crac. Et je vais être tout seul parce que l'autre il a fui le point. Voilà. Alors non, ce robot n'est pas extrêmement solide, c'est juste du gros mytho. Mais bon, c'est pas grave. Tire, bon Dieu. Ah la vache, j'ai plus rien. Ouais, donc non, alors ce robot c'est juste un gros mytho encore une fois, comme beaucoup malheureusement sur le... comment que ça s'appelle, l'usine. Ah il s'est barré Pac-Man. Waouh, où est-il? Truc de fou. Oh mon Dieu, il a fait des dégâts. Il a fait des points. Il a fait des points. On a joué à 4 pour toute la partie. Maintenant, qui sait qui veut gagner? Il pousse son cul. Bah, bien joué, Pac-Man.
Bien tenté. Une fois pas deux, comme on dit. Hein. Crac. La seule chose sur laquelle il a pas menti, c'est le Infinite Power. Oh là. Ah putain. C'est la boss qui va m'avoir. What? Ah victoire, d'accord, ok, cool. Cool, cool, cool. Bah j'ai eu peur sur la fin. Voilà. Non, je rage pas, c'est faux. C'est entièrement faux. Bon, eh bien, écoutez, chers amis, du coup, nous, on va se laisser là pour cet épisode, parce qu'en plus, dès qu'il commence à se faire tard, il va être 19h pour moi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et si vous avez des choses à dire dans les coms, évitez d'être trop violent, parce que même si je le suis en vidéo, c'est pas pour autant que vous devez l'être entre vous ou contre moi, hein, d'ailleurs. Donc, dans les coms, voilà. Salut les gens. Et oui, je suis entièrement... comment qu'on dit ? J'assume entièrement le report à la fin, voilà, la demande de report à la fin, parce que les gens qui sont AFK volontairement, c'est-à-dire qu'ils étaient là, parce qu'il y a un système d'anti-AFK, hein, mais là, ils étaient volontairement à rien faire, en fait, ce n'est pas normal, voilà. Salut les gens !